إلى قيثن القدس دي طيج قس الهواء ديري ياسي تزمورت إلى قس دي طيج إلى قثيد نحوص قثيد نرقض نسحب بالا نجاقة ونجل ونسحب بالا نجاقة قثيد نحت مرة من بعد سقي طيج نروح سلمع ولا قثيد نرقض قس الهواء جاما نرقض متفق ها نحوجي قثيد نهوي على خطر يسع درعالي تزيد درعالي. Donc il vous parle de, des conditions climatiques. Étant donné que c'est une zone montagneuse, donc nous avons... Donc il vous parle de, des conditions climatiques qui sont vraiment rudes. Ici, nous sommes pratiquement à une hauteur de 775 mètres. Imaginez un petit peu plus loin, c'est encore pire. Donc, les conditions climatiques ne sont pas favorables, d'autant plus que la saison d'olive, c'est une saison qui est hivernale. Donc, ils trouvent un sérieux problème pour le collecter. Mais, comme je vous l'ai dit, l'huile chez nous, c'est un petit peu un fluide, pas comme les autres. On peut délaisser tout, mais pas l'olivier. On est jaloux, on est attachant. Et on ne peut pas vivre sans l'huile. Si on est stressé, on utilise de l'huile. Si nous avons une entorse également. Si on n'a rien, on utilise de l'huile. Donc voilà. Donc, si le produit c'est, passe partout. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, pour juste ajouter, le problème par rapport, il faut le récolter pendant des journées ensoleillées. Alors qui se font rares. Et comme la quantité de ces olives, donc ils ne peuvent pas les récolter en une journée. Donc ça nous donne une récolte échelonnée. Et déjà, on commence la dégradation de la qualité. Bon, elle ne le dit pas comme ça, hein. Je l'exprime vraiment scientifique. Elle dit, on pèle, parce qu'on ne voudrait pas laisser au moins une drupe. Une olive, on ne va pas la laisser, même la chercher entre les herbes et tout. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils ont une récolte échelonnée. Et par rapport pour remplacer les filets, donc il rassemble des bouts de tissu, des sacs en jute et tout, qui vont coudre pour improviser, qui ne sont pas très résistants. Et bien entendu, c'est juste un champ juste pour vous montrer un petit peu un exemple. Sinon, on a des champs encore plus riches en oliviers. Et pour c'est-à-dire s'il y a juste le temps qui nous presse, sinon on aurait fait une visite pour voir encore de. Mais je doute pas qu'on aura d'autres occasions. Donc voilà. Le verger oléicole, c'est pas seulement ça. Non. Très bien, non. Voilà. Donc on est entouré de champs. Voilà. Ah ben c'est formidable. L'huile d'olive, on l'appelle l'huile chérie. Zit Aziz. Tellement on l'a chérie. Voilà. L'huile chérie. Ah oui. Et là, quand on laisse mort. انا هدي غير محباكين نهدي في مختفين ساد نجبد نهدي تشكاري ناسيد نسبب باع نهدي الحويله نكاع عارف نرقض يسعد عتب مليح وزمور تربيه alors c'est très pénible de récolter ce fameux fruit pour avoir justement l'huile chérie voilà. Pour reprendre madame ouais. Donc il y a toute une préparation mais malheureusement et avec tout ça ils peinent à récolter parce qu'il leur faut des gaules, mais maintenant ils commencent à prendre conscience qu'il faut les bannir. C'est interdit de frapper l'olivier, parce que quand même, c'est justement une récolte, l'huile chérie, il ne faut pas la frapper avec de la gaule. Et ils préparent aussi des sacs, et maintenant aussi, ils commencent à remarquer que le fait de mettre dans des sacs, soit en plastique ou toute autre matière, les olives, ça se dégrade. L'olive se dégrade par effet de fermentation. Donc déjà, ça commence avec la prise de conscience et tout. Et pour la cueillette des olives chez nous, ce n'est pas une simple opération ordinaire, quotidienne. Ça relève un petit peu du militantisme kabyle. C'est notre manière de s'attacher à notre terre. C'est le sang. Il y a des gens, peut-être, si tu leur fais des analyses de sang, tu vas te lever de l'huile. voilà. Parce que la récolte, il m'a dit que c'est directement. D'accord. Asma Ahmed Ksem, d'accord, Kemel. بعد ما في المكسات نتساوي الشكار نتسبب به كنت ساخر خارج نتساوي انا نسالو سيد هكا كيون وخا ما خامي الا نسالو سيدين انا عندي ما تنزل اقصد نفوك الخض انا نتسن الصيفي ها لا نويد كي تسكن الشهر لا نويد كي لابد سوفوسي سعاد عثير سا سي با بيان لابد يسعاد عثير سوفوسي الوغ يسعاد عثير يفون ريكولتي ا بتيت كونتيتي
Donc ils vont stocker d'abord dans des sacs ici. Après, une fois qu'un sac est rempli, c'est à dos carrément. Oui. Donc comme il n'y a pas... C'est pénible. Voilà, ils vont le transporter au niveau de la maison la plus proche pour le stocker. Alors, des fois, c'est un mois. Des fois, un peu plus. Parce que ce qui est problématique ici, c'est qu'elles ne peuvent pas récolter toute cette quantité. Alors, quand je vous dis la quantité, ce n'est pas seulement ça. Hein. Il faut aussi imaginer les autres vergers. Ouais. Donc, toute la quantité qui appartient au village, ils ne peuvent pas la récolter en un temps, c'est-à-dire qu'ils respectent un peu les standards scientifiques et de qualité. Donc, c'est pour ça qu'ils attendent jusqu'à la récolte totale et globale pour commencer à acheminer vers l'huilerie. Très bien. Donc avec les conseillers du PASA, pour la prochaine récolte, nous viendrons avec du matériel de démonstration, qui est du matériel de récolte, ce qu'on appelle des peignes vibreurs, qui pourraient être adaptés à la problématique du village. Et ensuite, nous allons voir avec vous, et notamment le comité de village, s'il y a possibilité de favoriser une petite coopérative qui pourrait s'équiper avec du matériel de récolte. On a déjà les chantiers. Hein. Voilà. Parce que, alors, on ne l'a pas dit, elle le sait parce que je lui ai dit, là, on est en présence d'un comité de village femmes. Donc, ce comité de village qui prend déjà en charge cette filière dans sa gestion totale, ah ben, si on les équipe, on aura de très très bons résultats. Et ça nous donne une coopérative, comme tu le dis. Hein. Oui, parce qu'il faut quand même arriver à une organisation formelle, très bien. Qui est facile à mettre en œuvre maintenant. En un mois, on obtient l'agrément. Et je ne vous apprends rien. Oui, il est spécialiste de l'un des rares villages qui est doté de comité femmes. Mm-hmm. Donc c'est une opportunité. On a très bien compris, ça fait bien longtemps, qu'on ne peut pas faire un travail seul. Voilà. La femme doit être présente partout dans notre vie de tous les jours. C'est pour cette raison qu'on a opté pour un comité femmes. Il est très actif. Ils veulent un petit peu améliorer notre cadre de vie et c'est pour cette raison qu'ils sont d'ailleurs ravis de votre présence. Voilà. Donc rendez-vous est pris. Très bien. Voilà. En Kabylie, il y a beaucoup d'organisations collectives sous forme de comités de village. Mais les comités de village sont orientés surtout sur les actions de solidarité. Oui, sociale. Et il nous semble que maintenant on peut franchir une autre étape, c'est-à-dire aller sur l'action technique et économique. C'est-à-dire que les comités de village peuvent constituer une petite coopérative qui sera le prolongement du comité et qui permettra de détenir du matériel en commun, ce qui baisse le coût du matériel, et d'organiser des sessions de formation pour s'approprier le matériel, avoir une bonne utilisation, et ensuite arriver à avoir des récoltes plus rapides et un temps plus court entre la récolte et la trituration. Voilà. دونك يقرا كنت لقيتش نجمعت لقيت خممت لي جروب هذه اللي استدير اوفيسيال يوكن اتزميرمت نكوني بانو ساد ان شاء الله كنت ناوي خيرا من الحرج تدينا هكا باش خيرا تساوي لا ثاكا كويت يوكن اتزميرمت تلقضم تزموراكي استدير كل الوقت هذا مشطوح استدير اوليا غتقيم ان موا Eh bien, ça va être deux jours. Autrefois, c'était très difficile parce qu'il fallait plus d'une année pour créer une petite coopérative. Il fallait que ça aille chez le Wali, etc. Maintenant, il y a une procédure qui est simplifiée et sous une durée de un mois, on arrive à obtenir l'agrément parce que c'est le DSA lui-même qui va accorder l'agrément. Voilà. Donc, tu vois, c'est le bachat comme les coopératives. Donc, il y a un SQS. Est-ce que je vais chercher la coopérative sur un char parce que d'ici quand la DSA va rendre le quoi de l'autorisation, l'agrément. Voilà. Là, on quitte le verger. Donc, on passe dans le. Voilà, dans l'huilerie. سلهنا نون درهنا نامرات مورثنا مران هذا قال بيدين فين نربح تربح ما كويت ايه فوز موراقين انا هضر امكين تنصازي كم كي يفيد نرقض نرقض في الخارج في القزن نرقض في الواحد يتوضع نتكسي فرنيا نتوي تدخان
نزاد هيثن كنتي سرحالات السيارة كانت تيجيها سردونا ذي الدوار كنت يوثا تسجار سنة ترارو ينا ترارو غدزار تيشان تنقا أتنشار أتنقرازية أسنعود وأدف كنا مورجة ديفك الزيت أبرين أسنعود وقسمع طاين أسنجس نقارش أترس تحبوت وينا غادي يكمل الزيت إيسا دي يكمل الزيت بحسوبي تقرأين أدي غادي يغلي وحبوسني وحزدا هذا نجني إلى القاعة أنا عاود تيشان تنيني ذا نزادي مدن كوني غاخمنا تاع المعصرة نزادي تودرين مدن نكاتي تدي عادي الدكر زيد مورج ارتبق سي ناس نويت اتنعمر تينا تينا كثر تنتو لب دن دي بليان وما تيقولي لي نيش تنقى اتنشار مي مدن اني غاس نتنزدو حضرنا لها اسنو تمرج واحد الزيت واحد اس وين مازال مازال نشوك تي لا الزيت اتنعمر لي كامبور الما يرسالش كاني الصباح اتيد نعمر مره دار الزيتني غامرجني العاري غاتيد نحج عبس انا نني غتنوزع انا وقعد لندي هنا باسكو تفرا انا وقعد لندي هنا درقس 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 فوالا دوري تردوي تردوي ما بغا يروح راه يا با بروبليم دونك سي تان اسمح لي نخمق قبل باش نقول بعدا دونك يا سي تان بروسيدي تري سامبل سي تان بروسيدي تراديسيونيل دونك اون فوا كو لا كيو ايتي فات on ramène tout le lot d'olives, on enlève tout ce qui est feuillage, parce que si le feuillage perdure un petit peu dans le lot, il y a l'acidité qui va, il va être affecté en matière d'acidité. Une fois que c'est fait, on le met dans le bac, dans ce bac qui est un petit peu fait en maçonné, c'est-à-dire, c'est, voilà. Il y a donc ce trou en pierre, c'est toute une histoire. Donc pour la transporter, pour la confectionner au niveau d'Oued, et pour la transporter jusqu'ici, il va falloir la mobilisation de tout le village. Et c'est une journée de fête. Et c'est tout le monde qui participe. Et on a un rituel. On doit un petit peu chanter parce que ça démontre un petit peu le sacrifice des gens, et leur vouloir de vivre mieux, leur vouloir de vivre ensemble. Donc, une fois que la roue est sur place, il y a ce bac, on met tout ce qui est olive à l'intérieur. Et le levier est entraîné grâce à une bête, donc un mulet ou bien un âne, donc il fait la rotation plusieurs fois. Une fois que un petit peu l'olive commence à dégager une certaine quantité d'huile, on le met donc à la presse pour un petit peu pouvoir, parce qu'il est visqueux, donc il va falloir un petit peu dégager un petit peu la viscosité. Donc on le remet une seconde fois dans le bac. Et à partir de là, on le remet une autre fois à la presse, dans les sacs qui sont aérés, parce que les maillons ils sont un petit peu plus ou moins grands. Donc, il y a un bac en dessous, il collecte tout l'huile, et pour un petit peu séparer la margine de l'huile, il va falloir des pots, des bidons, là où on met l'huile un petit peu pour la décantation. Et il y a certaines régions qui le réchauffent. Ils réchauffent complètement l'huile, donc il y a la séparation de la partie de l'huile pure et la margine. Ce qu'on trouve comme problème aujourd'hui, c'est qu'on tient toujours compte du volet écologique, donc la margine, on ne doit pas la déverser dans la nature. Donc il va falloir obligatoirement la traiter. Voilà, un petit peu le chemin. C'est, donc même nous, ce qu'on envisage, c'est de convertir cette huilerie d'un concept traditionnel à semi-moderne. Donc, il nous faut un moteur pour un petit peu... mais exactement. Voilà, c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite. Pour un jour, ça sert quelque chose. Et tout le monde, on a dit qu'il y a une zone qui est en train de se faire. Tu dis qu'il y a une zone qui est en train de se faire. Tu sais, oui, 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 tu sais, ما ثلاث داريت كلين ساعات داريت نزاد نزادي تدرينا كي مرة نعرفنا مرة نزادي مدن لا انا شو راك على خاطر مش كدا تصل لي زانفورماسيون نسمع لا تراديكسيون بو با تسمي خاطي خاطر درلو الور يا توجور برسك لو ميم بروبليم كو لو فيرجي بيسك اون بو با ريكولتي اون طون بلوفيو quand il y a la pluie. Ici aussi, on ne peut pas triturer quand il y a la pluie. Donc voilà, c'est pas, il n'y a pas de toiture. Donc ils doivent attendre non seulement les jours ensoleillés pour récolter, mais aussi à la trituration, ils doivent aussi attendre malheureusement
puisqu'il n'y a pas de toiture, donc ils doivent attendre des jours aussi ensoleillés dans une saison hivernale, Gishtoa, pour justement récolter. Et ça aussi un grand défi qui va accélérer non seulement, non pas la qualité, mais la dégradation de la qualité de l'olive. Mais aussi, si on laisse le, une huilerie à l'état dont il est, il n'y a pas d'abri. Automatiquement, avec le temps, il se dégrade. Voilà. Il va y avoir l'apparition de la rouille, de l'usure, et perdre un patrimoine aussi riche, pour, à nos yeux, il est quand même catastrophique. Donc, c'est pour cette raison que nous avons cette volonté de mettre une toiture et tout le nécessaire qu'il faut pour entretenir d'abord c'est un site touristique. Quand quelqu'un vient, il peut découvrir notre vie. Et en même temps, il va être bénéfique pour tous les villageois. Donc ici, on peut dire qu'on peut résumer la situation qu'on est en train de raconter ici. Donc à la fois le site actuel, d'accord, et nos besoins. D'accord. Donc ici, c'est l'abri en charpente. Charpente en bois pour la huilerie traditionnelle. Donc, c'est tout un abri qu'on voit ici sur les Talwadés, d'accord, qu'il sera à la fois ouvert, d'accord, donc avec des pilotis, d'accord. Donc, on a fait deux niches afin de marquer les entrées, les différentes entrées. Donc, une entrée qui sera ici et l'autre qui sera de ce côté. Donc, il sera à la fois, bon, c'est pour répondre aux besoins ergonomiques des citoyens. Et pour protéger tout ce qui concerne les matériaux existants ici, à l'intérieur de la huilerie. Très bien. Donc, comme on peut voir les plans, donc ici, c'est la placette qui est juste ici, donc qu'on peut équiper aussi avec tout ce qui concerne les aménagements urbains. Et à l'intérieur, donc, on a proposé une charpente avec tout ce qui concerne celle-ci, la ferronnerie, donc tout ce qui concerne la ferronnerie. Voici la fiche technique qui démontre tout ce qui est à l'intérieur de cette... Voilà. Dans la vie, sans tenir compte d'une manière effective du volet écologique. C'est pour cette raison, et avec l'aide de tout le monde, et que ce soit la femme, l'enfant, le vieux, l'adulte, le moins jeune, on est conscient que on n'a pas un village de rechange. On n'a pas un pays de rechange. Nous devons absolument travailler de sorte à l'embellir, à assurer un petit peu un milieu sain, un milieu de vie qui est agréable. Donc, depuis pratiquement 2014-2015, on a entamé déjà des travaux purement pédagogiques pour faire comprendre à l'enfant, à la femme, ainsi de suite, que l'environnement est un sujet clé. Aujourd'hui, on a quand même franchi un pas, on a un village propre, mais... Le défi, c'est de faire de notre village un village écologique. Parce que de la propreté à l'aspect écologique, il y a tout un travail à faire. Pour ce faire, on veut exactement mettre un terme définitif à nos déchets. Donc on a expliqué à la femme dans le foyer qu'il faut absolument faire la différence entre ce qui est déchets secs et déchets humides. Donc il y a deux bidons qui sortent dans la nature. Ce qui est sec, il passe au recyclage. Donc on lui donne une seconde vie, on prend attache avec différentes entreprises pour le récupérer. Quant aux déchets biodégradables, on compte faire un éco-centre, une déchetterie. Dans la déchetterie, il va y avoir d'abord la réception des déchets à l'état brut. Il va y avoir un groupe qui va faire le tri, ce qui est ferreux, ce qui est plastique, on le met de côté, et ce qui est biodégradable de l'autre. Pourquoi ? Parce que le vrai travail, le vrai problème, c'est ce qui est biodégradable. Le biodégradable, on le jette directement dans le cours d'eau, ce qui pose un problème à partir de l'exévia. Donc il y a un mélange de jus qui se dégage à partir des déchets, il se mélange avec des cours d'eau, et donc il crée un désastre sur le côté faunistique et floristique, ce qui cause un sérieux problème. Donc le premier sujet, il faut en finir avec ce qui est biodégradable. Une fois que les déchets sont je pense qu'il y a des photos qui sont omises, mais je vais vous expliquer brièvement ce qu'on compte faire. Une fois que les déchets sont réceptionnés et triés, il y a toute une chaîne qui va procéder donc au barouillage. Et il y a une seconde fois un autre tri, peut-être on a omis quelque chose. De toute manière, on termine la dernière phase à obtenir du compost. Donc le compost. Nous, on est privilégiés dans la zone rurale parce que 90% des gens ont des jardins.
Donc il n'y a aucune raison de jeter nos poubelles dans les ouettes. Donc, et vous savez bien, dans un milieu rural, nous avons 70% de biodégradables et 30% du recyclable. Parce que la norme nationale, le calcul national, pour la zone urbaine, on compte 1 kg par tête par habitant. Par contre, dans la zone rurale, c'est 0,775, la norme actuelle. La norme actuelle. Donc, si on fait un petit décompte, très simple, on trouve pour une population de 1000 habitants, nous avons à peu près une cagnotte de 300 000 dinars par année. C'est de quoi une association peut survivre. Donc, on veut faire de notre déchet une rente et non pas une source de maladie. Voilà un petit peu ce qu'on compte faire. Parlons de l'huile irisée, c'est également une partie dans cette vision-là. Il va falloir exactement mettre en place, en urgence, des bassins de décantation pour toujours préserver notre nature. Est-ce que vous vous êtes fixé sur cette option, parce qu'il y a d'autres options pour traiter les margines et les grignons, et on démarre une étude prochainement, on peut venir vous voir. Ce que nous avons comme qualité, on aime écouter. Ouais. Si vous savez, voilà. Et voilà. Et ben, on est à l'écoute, monsieur Olive. Il n'y a pas que la décantation, il y a beaucoup d'autres solutions. Donc on vous propose de venir, dès que l'étude démarre, venir vous voir pour étudier toutes les options pour que vous puissiez choisir. Avec un grand plaisir. Voilà. Au contraire, voilà. On est toujours à l'écoute et on apprend tous les jours. Voilà. C'est un échantillon d'études. Voilà. Oui. On aura l'occasion de se revoir. Bien sûr. Et vous aurez certainement une autre occasion pour venir chez nous, ce n'est pas la dernière. Oui. Voilà. Oui. C'est pourquoi en Corse? Parce qu'ils gardent la terre pour cultiver. Oui. Et donc ils mettent les défunts. Voilà. D'ailleurs, la réflexion pour agrandir le verger olicole, là déjà, ils sont en train de réfléchir à planter d'autres parcelles. Ou bien carrément transplanter les oliers. Très bien. Vous voyez un petit peu la mutation. On a gardé ce qui est traditionnel tel qu'il est. Même les pneus sont valorisés. Oui. C'est déjà... C'est bon, hein? Oui. Ouais. Voilà. C'est un joli village. C'est magnifique. Et la vue par ici, il n'y a rien qui garde secret. On voit tout. Voilà. Donc il y a le chef-lieu. Le chef-lieu, c'est à partir de là-bas jusqu'ici. Il y a un groupement d'habitations, il y a la PC, la mairie, là-bas, l'autre côté, la tuile verte. Et tout ça, c'est des vergers, c'est notre grenier. D'accord, du village. Voilà. Citoyen du village. Et vous voyez, déjà les gens commencent à cultiver. Vous voyez, c'est un verger, c'est un bien commun. C'est un bien commun, c'est d'accord, un bien commun. D'accord, par contre, ça c'est très important. Ouais. Par contre, tout ça c'est privé. C'est grand le verger commun. Oui. Oui, c'est ce qu'on appelle chez nous le meshmel. Le meshmel, c'est une gestion collective via le comité de village, mais là, exceptionnellement, par le comité de village femmes. D'accord. Exact. Voilà. Et vous voyez la structure du village kabyle. On a choisi la crête d'abord pour que rien ne nous garde secret et pour notre sécurité. Et en même temps, on garde toutes les terres pleines, toutes les terres plates, en mettant des greniers pour l'agriculture. Voilà. Voilà, donc c'est intelligent un petit peu de ce que... Oui, c'est voilà. Aussi pour éviter les pluies, hein. Même les inondations et tout ça, on est toujours épargné. Voilà. Puis la roche, vous l'avez ici. Oui, c'est un terrain roche. La bonne pierre pour bâtir. Exact. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher ailleurs. Oui. Très bien. Et ici, il y a mille et une histoires. Ça détermine un petit peu le sacrifice de nos aïeux. Oui, oui. Il y a un sacrifice qui a été fait pour qu'aujourd'hui... Pour libérer le pays. Oui, pour libérer le pays. D'ailleurs, vous parlez de libération, cet lieu, il a fait un espace d'une bataille atroce. Ah oui. J'aimerais bien qu'on traduise cette citation. Bien sûr. Là, c'est la relation entre la propriété et la santé. Quand on est propre, on est forcément fort. On est en bonne santé. Si aujourd'hui, toute la population du monde est malade, parce que l'écologie est atteinte. Écoutez, je vais vous dire une chose. Nous avons déclaré une guerre contre nous-mêmes, mais on l'ignore. Le jour où on va gagner cette guerre, on va disparaître, monsieur Olive. C'est malheureux. Espérons qu'on la gagnera. Voilà. Espérons qu'on la gagnera.
Donc, celui qui est entouré par la propreté, il est en bonne santé. Donc, ici, madame, vous allez certainement... Hein? Qui c'est qui fait les peintures? C'est un artiste du village. Oui. Ils sont à quatre ici. Donc, brièvement, ils sont à quatre. Ce lieu, il est à la fois le lieu de culte, c'est là où on fait la prière, oui. Mais avant ça, et les assemblées dans le temps, parce qu'on a transféré tout ce qui est administratif dans l'autre bloc. Mais ça décrit également le sacrifice de nos parents et de nos grands-parents et de tout le monde. Vous voyez un petit peu nos ruelles. Vous voyez un petit peu la structure du village kabyle, il n'était pas comme ça parce qu'il y a l'effort des citoyens qui a été mis en œuvre. Oui. Parlons de cette bâtisse, il y avait pour la libération, parce que l'homme cherche toujours à se libérer des jougs du colonialisme. Donc ça un petit peu relate une longue histoire d'une grande bataille entre les moudjahidines qui étaient là avec les colons français de l'époque. Parce que la France, il y a deux côtés, il y a le côté de la science. Vous êtes les bienvenus, mais vous êtes les bienvenus, mais le côté militaire, on n'en veut plus. Hein. Voilà. Je suis très décontracté avec très cette bien. Affaire, voilà. Parce que mon grand-père, contre l'avis de tous, il a opté pour l'indépendance de l'Algérie. Il était, il était en France, mais il était favorable à l'indépendance. C'est une bonne nouvelle. C'est une donc bonne dans nouvelle. Ma famille, c'est on est. C'est une bonne nouvelle. On est pour la liberté. Voilà. Donc ça tombe bien. Donc c'est pratiquement un prototype, une maison kabyle bien faite. Et c'est là où on a vu le jour, c'est là où on a grandi, on a appris les lois de la vie, bien que c'est la vie rude, oui. Mais on a pu supporter. Donc comme vous voyez, c'est une maison à toiture en bois. Il y a généralement toujours, on parle de 5 piliers. Quand un enfant dans une famille est gentil et bosseur, on a toujours cette habitude de lui dire comme si vous êtes le pilier du centre. C'est lui le guide, c'est lui le voyez-vous. Donc, ici, nous avons deux. Excusez-moi, le bois, c'est quoi comme bois? C'est bois de chêne d'ici. De chêne. C'est le chêne, de chêne, d'ici. Oui, d'ici. D'accord. Donc, pratiquement tous les matériaux qui sont là, ils sont d'ici. Et vous le mettez dans l'eau pour le sécher ou non? Ça, il va falloir demander l'avis des experts. Adelazi, on l'utilise directement. Voilà. Donc la toiture kabyle, généralement, il est de cette forme-là, en V. Il y a la neige ici. Il y en a de la neige. Il y en a de la neige. Donc il faut de la pente. Oui, exactement, la pente. Il y a la tuile traditionnelle. Il y a donc les cinq piliers qui font usage de l'ossature. Ouais. Nous avons deux soupentes. Il y a la soupente qui représente une chambre à coucher. D'accord. Il y a ce lieu-là, c'est pour le couple. Il y a ici, c'est un grenier. Mm-hmm. On met tout dedans, ce qui est oignon, ce qui est toute la réserve. De toute manière, une fois qu'on aura fermé bas, la porte, et c'est l'étable, c'est l'écurie, petite écurie pour les animaux. Oui. C'est eux qui tiennent chaud. Oui, exactement, ils régulent la chaleur. Mm-hmm. Donc il y a le c'est dessous le au-dessous on va faire un mezzanine plus tard. Oui. Donc ici il y a le canon. Oui. Le canon, donc il y a toute cette chaleur qui se dégage et se propage dans la maison, mais en aucun cas il va pas vous asphyxier parce qu'il y a des ouvertures, c'est aéré. C'est aéré. Ce qui est bien dans la maison kabyle, une fois vous fermez la porte, il y en a tout à l'intérieur. Il y a plus de soucis. Il y a des gens qui ont supporté 45-50 jours de neige. Oula. 45 jours. Les années 40, il y a des gens, ils n'ont pas pu sortir de leur maison pendant 45 jours. Ils ont supporté... À condition que ça soit rempli, hein, les deux... Voilà. Hein. Il y a les coffins, voilà. les silos, donc il y a la figue, il y a tout ce qui est semoule, tout ce qui est légumes et tout ça. C'est sec. Pour un petit peu... Légumes secs. Et là, on a notre cuisine. D'ailleurs, je pense que la conception moderne de l'architecture... Il a été pris à partir d'ici. Notre salon est directement à notre cuisine. Ouais. Il n'y a aucun secret à cacher. Voilà. Au plus froid, il fait combien ici? 0 degré, 2, 1, 2. Peut-être parfois moins. Ça ne descend pas en dessous de 0. Rarement, rarement. Ça arrive, mais rarement. 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 Ça tourne autour de moins 2, moins 1, jusqu'à 2, 3, pendant l'hiver.
Et pendant l'été... La seule source de chauffage, c'est le bétail. C'est le bétail et le canon. Et le canon toute, oui, la journée, toute la nuit. Toute la journée. Et vous imaginez un petit peu toute la nostalgie quand, quand vous avez des vieux à la maison, ils s'assoient ici. Il y a toute la famille qui entoure le canon. Donc on discute sur, sur toutes les histoires. Sur le, il y a la transmission de la culture. Il y a tout un échange. Contrairement à aujourd'hui, tout le monde a sa propre tablette. Et c'est dommage. Mais avant, il y avait... Tout se passe ici. Tout se passait ici. La transmission du savoir, de conseils, des projets, tout se passe autour du canon. Et c'est une vie qui était vraiment formidable, simple, modeste. Voilà. Donc il y a un fil d'acier, un fil de fer. On suspend dessus tout ce qui est oignon. Ouais. Voilà. On a, sur ce coin-là, nous avons ce lieu spécialement pour la chandelle, pour éclairer la maison. Et tout avec est calculé. Avec la mauvaise huile. Avec la mauvaise huile. Heureusement, ce n'est pas avec la bonne. Donc, voilà, c'est une vie. C'est une maison totalement optimisée. Il y a le coin pour la poule. Il y a le coin pour le vieux. Il y a le coin pour le bétail. La maison kabyle, c'est un chef-d'œuvre qu'il faudrait absolument développer. Voilà. Vous l'avez planté, si on y va le venir à la cuillère. Ça va marcher. C'est parfait. Dame, je suis pas un américain. Là, il faut serrer des choses. Ah oui. Et alors ? Attention, qu'elle tombe pas. Pour la prendre en photo. C'est bon. Ça, c'est bon. Il n'y a pas d'aplomb, mais... C'est manqué. Voilà. Je tiens beaucoup à remercier tout le village de m'avoir reçu aujourd'hui. C'était vraiment très émouvant pour moi de découvrir cette région, ce village, et de rencontrer les femmes. Et de découvrir aussi qu'ici, ce sont les femmes qui sont vraiment les protagonistes de la filière de l'oléiculture, ou je dirais plutôt de la culture aussi de l'huile d'olive. C'est quelque chose qui me touche profondément parce que moi-même, je viens d'une région de l'Italie qui est une région où on cultive l'olivier et où c'était aussi les femmes qui étaient très très impliquées. Donc je sais par mes souvenirs d'enfance que c'est un travail qui est pénible, qui est très dur et qu'il faut beaucoup de passion et beaucoup d'amour pour le faire. Et c'est peut-être pour ça que ce sont les femmes qui s'en chargent. Donc je souhaite vraiment que le projet PASA, que l'Union européenne finance, et qui est porté par le ministère de l'Agriculture ici dans cette région, puisse apporter, offrir quelque chose de concret pour accompagner le comité des femmes dans leur travail et accompagner peut-être tous les villages aussi dans ces projets qui sont des projets ambitieux basés sur l'écologie. Donc c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Donc je vous souhaite vraiment toute la chance et bon courage. Merci. Monsieur Olivier, c'est votre tour.
الفرح ذا مقران إلا أساقيد وانداقيا تدارتنا بورير أقلاغ دويث ماثنا إدريسي قلانيدنا أثنا كوتير يعطي الصحة وينيك خدمة كويث كصباح لا كوميسيون أكينيا يديروها لأوروب نتمني غي وكني أتخدم إقلاقا أداوي إقلاقا فوالا إي نتمني داغني الشغل راه يكملن أ partir de ce qui est ma chère, à ce qui est, où la carasse en terre et la carte de va, et où la dawin a tchkin en Irak. Voilà. À cette date, Kemel Tskir, le Khaled, Yergazin, Arash, à Khalanzara, cette date, ça fait plaisir. Et d'un autre côté, nous avons la belle date, nous avons la belle date, nous avons la belle date, nous avons أدوالين أين نخدم نكوني أدخمن بتاتر أمن نكوني ناخيرنا نرثى قرى نواهي لقيا أما سيسمي وما سيسم التربع تقيا جدا يدي غساقيا أولا نعثان مير تسم قرانت كون سن مير مليح مليح في الشغل لقيا نتخدم ما كاقيا زيني غادي يفكان النفخة دي تزوالا زيني غادي يفكان النفخة يوا كنا دنسكين تدار تقيا نوان أما غادي نسكن نضغا غير داكي غير الجزائر أما أرتي دوك لا لوني أوروبيان تي دوك لا نتمورا لوروب إوا كان السنيني ذاك النيني غاس ولا ما ذوك كدرار إلا نتسيدير نضغا تدارت نون ذوك كدرار لا دا شو غادي نخدمن ها هو العاد الصوضون نضغا تور خممنا راه غورس وذاك إلا ذوك زهار هيا كي غيتفقين ديوت نتغاوسا ذاك اللي مرة عقل انت الدار ثاقيا تمعاونا اميون ومدان اما التلاوين اما ديال قزن اما ديال المزيان داينيك جاني يعني انت الدار ثاقيا سبوين الراز يعني نور غي سواه مرة اسمين سلاح سبوين مرة زمن زو انت الدار تيشب حنا كويت دقو زدونا الولاية انا في قايد نكزم الغادي نغذي دمورتنا الزاير ويعني نور غلي غالا من نغد انشتاقيا ثورا سلام هذاك اللي ثيرزا بوساكي اتيليا تصدر ثمن زوز يوكن اني زميرا دنوغال ستوغس نتساويلات يوكن يقدم لاكي غير ثقر ما كاكون وي وحدون اني اللي هات نتيكي خاص ولا ما الشيطوح كان كاكي نتغاوس انا الشيطوح نتلل يوكن يعني هذه الشغل الى تخدم ارزاز نكي هذا شرا واعيدي هذا واعيون وكساين عن سوفونير هاس ورتيز ميرانا غادي يدير غادي تدري النظام ايميان يعني ديون اون سوفونير راه يقيم يعني يرس دك ولا غيو شرا راه اري ديرا وداينا راه يجني يعني غاتسكا حتى دار تاكينون ذا مذيا يتدري المره انت مورت القبايل وهذاك فوا كان استنمرت النظام دانيا اثلاوين إثلاوين تدار ثاقيا إكسولين سنجاق نغل أعلام تدار ثاقيا تزوارا دنين أزول فلاوين عسر من ونكويت دونك الساقين تمري اللي تخدم تدار ثناغ أفك إن كوميسيون دلوني أوروبيان وسان دسنين عطت نصحة دونك أون فالو مرسي بول سيلين كدوي ذاكي دي روح نقلا دي أسا روح ندار ذاكي تدار ثناغ الشغل ذا بسطوح معني سعر معنى تسمقرات الشغل اللي نخدمه كاكيني نتمني غادي يوين الخير ضم قران سيرتو الى فيليا راكي وليكول يعني انا نمر غزمور دونك ديت زوال اني نبرن تشاني ذنا نفرح مليح ملي نيرانا استقبلت انا كني راق كني وثا ومن بعد نروح للشون دوليفي دونك المركان ديال كلو زمور نسبه مازن داكويت يمكن نخدم يمكن نقطة زمور لي ديفيكولتي نسعى تو سا ابري انا راني دار داك المعصرة نسكن زند يمكن نخدم يمكن نزاد زمور يمكن نساوي الزيت ندير نسالا مورج انسي تويت دونك نتفاهم زند يعني انسي دنكا نيسن ذا شو نتمني نقول نبغى غاس المعصرة يقدر حاجة تقديمت من فان غاتنجاك لك ذا شو غازن لانو ثيغا وسيوين ثيثرارين يوكن هذه روندمون اكثر وتسجل لا كاليتي اكثر نسرع لي كونسيي نسن دارنيا نفكيس نكوني راينا نهضر زند في الفولي انفيرونمونتال دو لا شوز نسكن زند بلي ميم تدارت نغا في سم قران تزدي نغا في سم قران ماشي غنسيزدي كان الى عمرنا غير قد يزدي كندا نويضنين ونقبل راه نذكر الحاجه غير يغزر راه يسهل شي نوياض دونك لاسبي انفيرونمونتال كينيا سيت ان اسبي جلوبال نبويت نبرين غير وخا القفايج داين سي فرحان مليح نسكن زند نسيت سكن اد كان جدودنا
باش نبض دساكين اقلا نزرق الحوارين التجديدين الحوارين العاليين دونك يا يو دي ساكريفيس تاع جبس انت دارتنا شكرنا مليح غمعنا مليح تقول نروارنا نكون دو غيد لوبجيكتيف نبغى اكزاكتمون نسكن بلي وي كتا دارتي نزدا مي تخمم من مقر بغينا مقر ولما نقولوا انه مزيت اذن نبغى ندنيني بلي نسان اسبري يونيفرسال نبغى ندي سي بوران لي زيترونجي نبغى ندي سي بوران وياض نبغى ندي سي بوران لا سيونس تدرس انه ماشي وي سي فري كنسا لاسبي فولكلوريك كاين نخدمي دراويز نغكويس مي اجوردي لا جينيراسيون كي دير حقنا كان سيغا بلوس دانفورماسيون بلوس دو سيونس بلوس دونيفرساليتي اجوردي في كيس سيت اوكازيون ومن بلي ماشي تساكي تسانكاروث ماشي تساكي تسامنزوث لا هذه جيت لي زوكازيونير لينا هذه جيت اونكور خير في المند بويا كي دابور اكون شكرا كون باسكو خدم الخدمه زديك مليح اعطيكم الصحه كوم دابيتود دايور واش شكرا اتسدرت مره اقشيش تقشيش تبسطو حمقران يكتسكين باش نخدم ليفينمون هاكيا ليفينمون غير شبحن ليفينمون راه ديال وين ثفت ليفينمون راه ديال وين سيغاو سي وين تجديدين سي كوم سا ان فغان فنو ومن بلي لا فولونتي سلا لا جونيس سلا لينيرجي سلا ويا با اون ريزون اون فاي شوي ومن بلي حاشا نربح حاشا نربح حاشا في الدراري تبدل سي كوم سا كون يفنوت لي كوليكتيفيتي يفنون لي كوميونيتي سير معاونا سير مشاوره اي بيان اونتوندو ونفغي غير كان الشغل كيما ديال بروبر يتدارتنا غير غادي يجي دارني سي اون اكسبيريونس بيلوت بور دوتر فيلاج باسكو زمورا ماشي كي تدارتنا كان قلا الا قلت جهه مره دونك مي الا نربح نكوني نربح ندا ويا ضيتنا غاس نحفظ شوي طوح الوجه في الغاس نسكني وياض باسكو مي الا نربح الا نربح كل واحد لا في كوميونيتير دو لا كابيلي اون بارطاجي نيكل مرض الفرح دو نيكل مرض القرح دو كيني مي قرن كابيل بالنسبه مثلا بلي الزيت سي با اونيكمون ان برودوي نخدم بور لا سالاد الزيت غورنا سي ان بو ان رميد توت لي مالادي سي اقفيل نزمر دي كلش حاشا تزمور ثنينس نسكنا زند بلي ساعات يسمينا المركنا نزمر نجي كلش حاشا زمور لا جينيراسيون يدير حق نتورا غاس نغرا غاس نفخي كتا دارت ونزدي غير هذاك مي تزمور دائما تسرع ياغد الى قد نقول الغرس باسكو سي سيد